avait une cité entière sous l'eau, on dirait. En effet, une cité oubliée. Comment elle s'appelait ? J'ai oublié. J'ai une question. Si Ymir était le premier géant, d'où est-ce qu'il venait ? Au commencement était Ginnungagap, le grand vide. Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales. Le feu, et puis la glace. Dans le vide, leur rencontre produisit... L'eau ? Bien plus que de l'eau. L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle. De cette eau, naquit Ymir, qui devint un être de création et de chaos. Mère et père de tout ce qui serait par la suite. Nous reprendrons plus tard. Ymir, tu peux finir l'histoire que t'as commencée ? Avec plaisir. Où en est-elle ? Ah ! Ymir, le premier géant, émergea du vide et de lui commencèrent à affluer toutes les formes de vie. Même les ases ? Oui. Chaque dieu, homme et bête, est d'abord né de la chair d'Ymir. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. J'arrive pas à croire qu'un fils puisse tuer son propre père. Tu trouves pas ça fou ? Bon, je sais, on connaît pas toute l'histoire. Et quand même, son propre père ! Je veux dire, je m'énerve contre toi des fois, mais... C'est vrai ? Oui. Un peu, des fois. Mais je te poignarderai jamais dans le dos. Non. Sûrement pas. Ce clan voulait vraiment laisser entrer personne. Comment on va faire pour passer ? Il doit y avoir un moyen de soulever la porte. Peut-être avec cette grosse roue à aube. C'est ce que je me disais. Oh!
Quand est-ce que tu t'énerves ? Quoi ? Contre moi. Quand ? Oh, eh ben... Des fois, quand tu me crois pas capable de faire quelque chose, alors que je le suis. Ce n'est pas toujours évident de connaître ça. Ça va, j'ai compris. Je suis un enfant. Je me demande où est cette pierre à aiguiser. Formez une équipe redoutable tous les deux. C'est bon à savoir.
Bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?